C'est drôle. Rester sans crainte, sans étonnement devant les choses qui surprennent les autres, qui les inquiètent. Pourquoi serais-je inquiète? La vie tout entière n'est-elle pas remplie de choses inexplicables? Un oiseau, un fruit, une baie, le soleil, les arbres de ce bois. Et nous-mêmes, qui ne savons pas d'où nous venons, où nous allons. N'est-ce pas merveilleux tout cela? Comme cette eau est fraîche. Fraîche, elle aussi. Je vous aime. Ah. Gilles. Qu'avez-vous? Je ne sais pas. J'étais si heureuse. Et puis brusquement, j'ai pensé à Renaud. Lui aussi m'a dit « Je vous aime, Anne ». Avec le même regard dur et la même voix qu'il a pour dire « J'aime mes chiens, j'aime la chasse, j'aime tuer tout ce qui vole, tout ce qui court. Je vous aime, Anne, et vous serez à moi pour toujours. Pour toujours. Mais est-il possible, Gilles, qu'un être puisse appartenir entièrement à un autre être? Certains appellent cela l'amour. Alors, l'amour, c'est comme la mort. On n'existe plus, tout est fini. Pourquoi? Oh, Gilles, puisque vous m'aimez, ne me faites pas souffrir, ne m'enfermez pas. Laissez-moi vivre. Aimez-moi comme je vous aime, simplement.